En réalité, quand on parle du Pacifique, on devrait parler des Pacifiques, parce que derrière cette terminologie, en réalité, on met plusieurs euh, sens. Il y a le Pacifique Nord, et au travers de là, les relations que nous, l'Asie du Nord-Est, avec l'Amérique du Nord, et singulièrement les, les États-Unis, en réalité, quand on parle de ce Pacifique, ce sont les relations sino-américaines, les relations sino-japonaises euh, dont on parle. Il y a aussi euh, les relations euh, qui sont propres à l'espace océanien. Les États insulaires, les États et territoires insulaires qui se trouvent dans l'insertissement entre les deux euh, tropiques. Ce sont des micro-États pour la plupart. Ils ont aussi d'autres intérêts. Ils sont éloignés euh, des centres de communication. Et donc leurs enjeux euh, sont beaucoup plus liés aux politiques euh, de développement et à leur insertion. Je dirais sur la scène régionale et sur la scène internationale. Enfin, parfois, quand on évoque euh, le Pacifique, on a en tête la situation de la mer de Chine méridionale euh, et évidemment les contentieux territoriaux entre les pays d'Asie du Sud-Est, la Chine, Taïwan et certains pays euh, d'Asie euh, de Sud-Est. Donc, en réalité, quand on parle du Pacifique, on devrait utiliser une terminologie euh, au pluriel pour bien spécifier de quoi on parle. Bien, si on parle d'abord euh, des espaces habités et les, les états euh, insulaires, c'est à proprement parler 0,1% de la population mondiale, 6,7% des voix aux Nations unies et 40% de l'espace maritime euh, international. Donc on voit bien que les enjeux sont liés à l'éclatement des territoires à l'interconnexion et évidemment à la protection de l'environnement marin. Ce sont souvent des petits, voire même des micro-États. Leur réseau diplomatique est, par construction, euh, limité. Certaines administrations se comptent en quelques dizaines maximum de personnes et donc avec quatre, euh, cinq ambassades à travers le monde. Mais au-delà de ce, de ce réseau. Je crois que la force des États océaniens, c'est d'abord d'avoir constitué des alliances régionales, soit sur des bases sous-régionales, le groupe des dirigeants polynésiens, le groupe de fer de lance mélanésien, le groupe des chefs d'État micronésiens. C'est aussi d'avoir constitué des alliances plus larges, d'abord à l'échelle du bassin pacifique, de l'agréger à des dialogues avec des pays tiers. Le sommet France-Océanie qui s'est tenu en novembre dernier à Paris. Des sommets de même nature avec les Japonais, avec les Coréens, avec les Indiens, avec les Thaïlandais, euh, avec d'autres États encore. Et puis de s'insérer dans des groupes plus larges. Le groupe des États, euh, des petits États insulaires, le groupe des petits États insulaires en développement, le groupe des États euh, atolls, euh, le groupe des euh, mouvements non alignés, le G77. Progressivement, ces dispositifs euh, diplomatiques se sont élargis et, au fond, entrent en résonance avec l'ensemble de la communauté internationale. Il y a de nombreux acteurs. D'abord, il y a les acteurs historiques, ceux qui ont constitué les institutions régionales. Ce sont les États-Unis, ce sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et, dans une certaine mesure également, euh, la France. Et la Grande-Bretagne. La, 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 la Grande Leur rôle a été déterminant depuis, au fond, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été les pourvoyeurs d'aide, ils ont facilité euh, l'intégration sur la scène internationale de ces États, qui sont de jeunes États, qui sont des États indépendants, en moyenne seulement depuis un quart de siècle. Il y a évidemment euh, des États qui, aujourd'hui, s'intéressent à la région, comme je le rappelais à l'instant. Les États et territoires souverains euh, du Pacifique central, c'est 7% ou près de 7% des voix aux Nations Unies. Et donc, chaque voix compte à l'ONU. Et donc, on voit de nouveaux acteurs euh, euh, se placer. C'est le cas des pays d'Asie du Nord-Est, le Japon, la Chine, la Corée, Taïwan, qui entretient des relations diplomatiques plus resserrées là qu'ailleurs, mais aussi des acteurs plus lointains, comme euh, l'Inde, euh, Cuba, la Turquie voire même euh, certaines monarchies euh, du Golfe. Donc on est aujourd'hui dans un moment où les États insulaires doivent démultiplier euh, leur réseau diplomatique, s'insérer dans de nouvelles euh, alliances et au fond participer activement à l'ordonnancement de la scène internationale. Il y en a plusieurs. Le, le, le premier, évidemment, c'est l'insertion au sens physique euh, de ces territoires. Développer des liaisons maritimes, développer des, des liaisons euh, aériennes, développer des liaisons euh, numériques. Ce sont des instruments absolument indispensables pour garantir une croissance durable euh, de, ces, euh, de ces pays. Deuxième élément, il faut répondre à de, des défis euh, déjà anciens, sécurité alimentaire, sécurité sanitaire et faire face à de nouvelles euh, difficultés, je pense par exemple au développement euh, des maladies liées euh, au diabète. Enfin, euh, il y a la nécessité de protéger euh, l'environnement. Là, peut-être plus qu'ailleurs, nous sommes face à des États qui jouent leur survie. Euh, L'augmentation du niveau de la mer, ne serait-ce que de 1 ou 2 mètres pour des pays dont l'altitude moyenne est à 3 mètres. Évidemment, c'est un enjeu absolument vital, c'est la raison pour laquelle euh, le sommet qui vient de se dérouler à Paris était aussi euh, important et qui justifie que les États et territoires insulaires soient aussi vocaux, expressifs dans leurs exigences de solidarité, mais aussi euh, euh, d'efforts de la communauté internationale en matière de lutte contre le réchauffement climatique.